Aïe, c'est Stéphane. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute petite ouverture de deux boosters, La Crise Écarlate. Donc voilà, en français. Donc avant de commencer l'ouverture, je tenais juste à remercier la personne qui me les a envoyés. La personne se reconnaîtra en regardant la vidéo. Donc c'est parti. Donc je vais prendre tout mon temps, car la vidéo va à peine durer 3 minutes. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. Ainsi, il n'y a que deux boosters. Donc, peut-être avoir quelque chose de gros. Alors, flèche d'ébène. Voilà. Triangle mystérieux. Grenouille mystificatrice. Descente de l'étoile oubliée. Dragon des runes. Peut-être quelque chose. Non. Sorcier aux ailes de nuit. Champ de force morphotronique. Scarabée chasseur et absorption super solaire. Voilà, donc ça c'était pour le premier booster. Voilà, c'est une belle rare, très bonne carte. C'est parti, confusion morphonique. Bricoleur des ténèbres, mangeur de pièges. Les marrons de cette carte. Alors, ça, c'est la rare. Seigneur de guerre alien. Voilà. Un petit quelque chose. Ouh, il y a une ultra légende. Ça brille. Waouh, sorcière violette. Magnifique. Regardez. La rare. Elle est magnifique la carte. Franchement super. Voilà, c'est cool, une ultra. Réacteur de magie plus ciel. Réacteur d'invocation. À moitié ou rien et plus de force et les kinésies télékinésiques. Voilà, excusez-moi pour la prononciation de cette carte, j'ai eu du mal. Donc petite récap, on a eu seigneur de guerre allié en rare et dragon des en rare et une belle ultra sorcière violette. Voilà, magnifique, super. Petit pouce bleu pour cette ouverture les gens. Donc voilà, donc c'était vraiment une toute petite ouverture de 4 minutes. J'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez toujours les ouvertures. En attendant, moi je vous dis amusez-vous bien. Allez gâteau, Gianna.